Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Gémeaud et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer Expansion. Alors, très chers amis, lors du dernier épisode, je vous avais exprimé mes craintes concernant ici, concernant là, là. Je sais pas si vous voyez bien où c'est à l'extérieur, je vais vous montrer. Hop. Si jamais je peux sortir d'un coin ou un autre. Parce que ce vaisseau, c'est un labyrinthe encore pour moi, je le contrôle pas, à vrai dire. Shuttle Bay et Server Room, non mais moi je m'en balance, je veux sortir. La sortie, ouh. Dites-moi où est la sortie. Ah, la sortie est là. Donc comme je vous avais dit, j'espère que ici en fait ça va garder l'oxygène. Mais en fait on m'a dit sur le chat que effectivement quand on voit les jointures là comme ça, c'est qu'en général ça garde pas l'oxygène. Et ça en fait ça correspond totalement à juste la salle qui est en dessous, à savoir la salle des conteneurs. Et donc je me suis en fait planté parce que j'avais vu que, enfin en fait moi dans ma tête, j'avais pas sous-élevé les coffres. Alors qu'en fait si, en fait les coffres là ils sont en bas. Donc du coup je peux très facilement en fait faire en sorte que ça soit étanche. Et donc ça c'est plutôt chouette, hop. Donc voilà, comme quoi là vous voyez ici je peux très largement faire quelque chose parce que bah pour le coup les coffres sont sous-élevés. Ça c'était une idée de chat, il faut le reconnaître. Donc, tac du coup. Alors par contre je vous préviens, hein, ça va pas prendre deux épisodes hein, de modifier ce vaisseau. Non, non, ça va en prendre un certain nombre. Hein, parce que bon, j'ai quand même aussi du blindage lourd à mettre. Parce que ce vaisseau il est uniquement en blindage léger, j'avoue que ça m'ennuie un peu, je vais être sincère. Donc tac. Voilà, je pensais faire potentiellement un truc comme ça. C'est bien ça, nous, du relief. Hop. Voilà. Et peut-être qu'il existe un bloc qui permettrait de faire la liaison. Je sais pas si ça existe. Ah, alors c'est dommage, c'est pas la liaison dans le bon sens. Peut-être qu'il en existe l'autre. Hein, vous savez, moi et les nouveaux blocs, je suis pas vraiment habitué, donc... Pour le coup, tac. Blindage léger, fais voir ce que ça pourrait donner. Tac. Fais voir ça, du coup... pas vraiment certain que... Ah, quoique... Quoique, celui-ci est parfaitement indiqué pour le sujet, je pense en tout cas, si jamais je les ai bien mis, je suis pas certain du coup, mais je... Merde! Quel con, puis moi je les enlève comme un abruti. Attendez, on va... Mais... Si, regardez-moi ça! C'est parfait! Ça se fond parfaitement dans le décor. C'est très bien. Tac! Vous voyez comme quoi, des fois en essayant, on sait que ça marche. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau cette histoire? C'est bien, moi je trouve que ça donne un peu de relief. Ça manque un peu trop de relief dans Space Engine, donc là du coup, vu que je peux en faire, je peux pas m'en priver. Hop. Oui, j'ai votre bon anniversaire. Mais je. C'est pas mon anniversaire. Il y a vraiment la classe ce vaisseau trop beau. Ah ouais, mais ce vaisseau est bien, hein. Ce vaisseau est bien, si jamais vous souhaitez le rechercher sur le workshop, sachez qu'il est disponible dans la description. Du coup, on va faire la même pour ça. Voilà. Et donc du coup, hop, je vais pouvoir m'amuser à refaire ça. Je pourrais même refaire la même là, d'ailleurs. Je suis bête. Je sais pas pourquoi je le fais pas, je pourrais. Tac. Pour le coup, là, ça pose pas de problème, étant donné que les devs, là, pour le coup, ils ont bien fait. Au moins, pour les blocs à rajouter, ça, ils l'ont bien fait. Faut quand même avouer. Pour les blocs, ça, ils ont vraiment bien fait. Ça manquait de blocs. Et donc là, pour le coup, vu qu'ils en ont rajouté, je trouve ça très beau, pour ma part. Hop, et donc, je vais certainement pas m'en plaindre. Ça, de ce côté-là, les devs, ils ont fait du bon boulot. On va quand même dire ce qui est. Hop, je suis assez con pour dire quand les devs font du mauvais taf. Je suis aussi assez con pour dire quand les devs font du bon taf. Alors, donc, pour le coup, moi, ce que je voulais rajouter, ce sont des lumières. Parce qu'il va m'en falloir, fatalement. Tac. Des lumières d'intérieur. Sauf que pour ça, il va me falloir des composants de construction. Composants de construction que je n'ai pas, évidemment. 11 février, la première vidéo. Ah oui, mais là, c'est le 17 janvier. Oui. Et... Après, s'il y a des fuites, tu rajoutes une couche. Alors, oui.
Ouais, ça pourrait jurer avec le ton de, avec le ton du vaisseau. C'est vrai que oui, après l'idée est bonne, ça je dis absolument pas non. Tac 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 tac, ouais, par où je peux sortir? Par là? Non, non mais non, ici c'est les chiottes. Par où est-ce que je peux sortir simplement? Simplement. Mais non, ici c'est les chambres. Putain, décidément, j'arrive pas à me repérer dans ce vaisseau, c'est une torture. Ça viendra, hein. C'est comme l'Orion, au début j'ai eu du mal à me repérer, et puis fatalement c'est venu. Ou c'est comme le Sébrius, hein. Au début j'avais du mal à me repérer, et puis fatalement c'est venu, un jour. Putain, je suis encore dans une chambre, mais merde! c'est pas grave, ce sont les choses qui arrivent. Tac, voilà, c'est bon, je me retrouve dehors. Ouf! On y est! Ouah. Hop, je peux me servir là. Et un vaisseau ici, hop. C'est pas bien grave. Ah bah si, les compositions de construction, j'en ai 33! Bah. Le Willy qui dit qu'il a plus rien. Vilain Willy. Hop. Tac. Voilà. Allez, fais-moi le plein ma biche. C'est bien. Construire moi-même, je me perds tout le temps aussi. Ouais, non, mais ça, j'imagine bien. Oui, ça, c'est un des points faibles d'utiliser les vaisseaux des autres, c'est qu'en général, on se perd fatalement. Ça, c'est obligé. Mais bon, après, franchement, les avantages sur les inconvénients. Si jamais il n'y a que ça comme inconvénient, franchement, ça passe, moi, je trouve. Du coup, je peux mettre la lumière ici. Oui, ça pose pas de problème. Tac, non, c'est pas ça. C'est tac, numéro 6. Il n'y a pas d'autres lumières. Il me semblait qu'il y en avait, non? Tech, alors il y a les... Ah bah tiens, je pourrais mettre ça potentiellement. Ah oui, mais ça c'est les lumières. Oui, non, ça c'est les. Tech, tech, tech. Non, ça c'est ultra moche comme lumière. Ça c'est pour des voitures, ouais, ça je dis pas, mais pour des vaisseaux, non, ça le fait pas. Non, et light, j'ai que les trucs légers. Ok. Je peux essayer avec ça. Je peux essayer avec ça, c'est des lumières de coin. Je. Pourquoi pas, écoutez. Si jamais j'ai moyen de les paramétrer de la même manière que les lumières et que si jamais ça fait exactement la même lumière, moi je dis pas non. Hop. Après tout, vous me dites souvent qu'il n'y a pas assez de lumière dans mes vaisseaux, donc pour le coup, je vous ai écouté, je vous ai compris. Qu'est-ce que. Oula! Qu'est-ce que. J'ai foutu ça où, moi? Ah, là. Oh bien ça. Voilà, merci. Toi, au passage, tu m'as l'air sincère, mais tu dégages. Merci. Voilà, parfait. Hop, donc du coup. Hop, une autre ici. Voilà, parfait. Comme ça c'est good. Il y a des lumières ici. Non, ici il y a. Ah bah si, ici il y a des lumières juste là. Donc c'est bien, j'ai pas besoin d'en mettre. Comme ça au moins on est bon. Je vais voir, mais je peux pas les construire ces lumières-là. Ça demande uniquement des composants de construction. Oh, ça devrait aller. J'en ai pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc. Je crois que j'en aurais pas assez. Non, c'est ça, j'en aurais pas assez. Ok, il va falloir que j'ouvre ces portes. Alors, ces portes-là, c'est quoi? Earthlight en garde d'or, FR17. Hop, juste en recherchant FR, je devrais trouver. Longbow en garde front. Oh, bah parfait, tiens. Hop, ouvert. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour sortir. Pas besoin de lumière, Willy, tu nous éblouis. Ouais, on dira ça comme ça. Salut Wawan! Tu nous as compris comme De Gaulle? Non, j'espère pas. J'espère pas, vraiment. Hop. Tac tac tac. 24, c'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Je peux libérer quelques plaques d'acier. Tac. Ouais, ce sera beaucoup mieux comme ça. Là au moins je suis sûr de tout avoir. Le bouclier est presque rechargé. Et ça, c'est bien.
Donc là, il va avoir une puissance monumentale. Par contre, sa puissance va baisser quand je partirai. Et forcément, vu que sa puissance est liée au nombre de blocs qu'il a sur sa base, forcément, le longbow va représenter une perte de blocs. Et donc, forcément, bah voilà quoi. Très bien. Donc, une fois que tout ceci s'est fait, on va devoir les configurer. Sauf qu'on va devoir les configurer avec, enfin, on va devoir les configurer avec la même intensité que les intérieurs light. Alors, LCD coin haut. Ok, moi, c'est tous ceux qui sont pas, c'est tous ceux qui sont pas faits. Ok. Alors, lumière de coin. Tac. On va les renommer en light, comme ça je pourrais avoir tout. Voilà. Tac. Comme ça on va faire ça. Ça va bien se passer. C'est long, je sais, mais quand il faut, il faut. Je laisse le nombre derrière, hein, c'est normal. Tac. Faut que je les paramètre à la même intensité pour voir si jamais ça fait la même lumière ou pas. Si jamais ça fait pas la même lumière, je mettrai des intérieurs light normal. Enfin, des lumières d'intérieur. Tac. C'est pas là, c'est là. Voilà. Voilà, parfait. Donc, maintenant. Voilà, donc là j'ai toutes mes lights et il me faut en plus l'intérieur light 8. Donc, light 8. Voilà. Alors, du coup, elle, c'est 255, 235, 205. Ok. Et je sais plus pour la suite, fait chier. 200, je crois que les paramètres diffèrent entre les coins et les normales. Ah bah ça on va voir. Ça on va voir parce que pour le coup je suis pas sûr. Tu faisais un groupe de la lumière. Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. Comme ça avec le groupe j'ai tout direct. Mais bon, je suis quelqu'un de chiant moi comme ça. Light 8. 255, 235, 205. 255. 235 et 205. Ok. Ensuite, 10, 1, 3, 5. 10, 1, 3, 5. 0, 0, 0, 0, ok. Donc tout ça, c'est good. Hop. Voilà, maintenant que j'ai modifié la 28, je vais pouvoir faire les autres. Tac. Normalement, je crois que je peux copier l'intégralité des lumières. Hop. Voilà. Et donc faire juste un petit changement comme ça. 235. Voilà. Ça, on met tout à 10. Ça, on met à 1,3. En fait, il faut juste bouger un petit peu le truc. Voilà. Ici, on met ça comme ça. Et donc ici, on remet ça ensuite à 205. Voilà, comme ça, si je me trompe pas, normalement, elles ont toutes les mêmes paramètres. Parfait. Hop. Et donc du coup, si jamais maintenant je viens éteindre toutes les lights normales, à savoir les intérieurs light. Alors celle-ci, attendez. Celle-ci c'est la 8. Celle-ci c'est la 7. La 6, la 5, la 4, n'est-ce pas? 6, 5 et 4. Donc de la 8 à la 4. On peut voir ça.
Intérieur light de la 6. Pardon, non, de la 8 à la 4. Ça va? Eh ben si, regardez, ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est plutôt bien éclairé en vrai. Ok, ça c'est cool, j'ai résolu le problème des lumières. Hop. Donc du coup, maintenant ça vire. C'était important pour moi que ce soit bien éclairé parce que le vaisseau de base est très bien éclairé. Donc pour le coup, comme je vous ai dit, je tiens à respecter quand même le travail de l'auteur, quoi qu'on en dise. Hop. Voilà, je pense que j'aurai pas besoin de plus que ça. Alors, maintenant ici, il va me falloir un convoyeur parce que bien entendu, il faut bien que tout ça soit alimenté, c'est logique. Ouais, non, je pose une porte ici. Avant, il y avait une porte, mais moi, j'en ai pas besoin. Tac. Donc, le générateur au deutérium. Alors, donc pour le coup, comme vous voyez, ça passe, donc c'est cool. Par contre, il faut que je me rajoute des convoyeurs, sinon ça passera pas du coup. Hop. Alors, les convoyeurs, par contre, tu me les. C'était quelle couleur? Heureusement que j'en ai laissé un. Hop, c'était dans cette couleur-là. Voilà. Alors, tac. Donc, ça fait tac, tac, tac. Ce sera quasiment collé au conteneur sans lettres, c'est plutôt une bonne chose en vrai. Je pense pas que je pourrais en mettre deux d'affilée, je suis pas sûr. Ah si, je peux. Comme quoi, hein, ça prend pas autant de place que ça finalement. Hop, et là pour le coup, je pourrais passer, ce qui est parfait. Voilà, bon, deux générateurs de 30 gigawatts, ça devrait aller quand même. J'ai jamais eu autant de puissance dans un vaisseau, donc. Allez! De toute façon, je crois que les magnétrons components, je crois que j'en ai même pas assez. Si je dis pas de bêtises. On va voir ça, mais je crois que j'en ai quasiment pas. Hop. C'est ça, j'en ai 163. Je vais pas aller loin avec ça. Il va falloir que je m'en fasse 714, il va falloir que je m'en fasse 15 000. Et ça va prendre du temps par contre à faire. Non, s'il te plaît. Non, tu me laisses entrer, tu me fais pas chier, merci. Hop. Tu vas mettre quoi dans le hangar au final? Rien. C'est pas prévu que je mette de vaisseau dans le hangar. Hop. Production, tac tac tac. Donc on a dit 15 000. Hein. Voilà, parfait. Ça délègue aux autres. Donc c'est très bien. Voilà, ça met un certain temps à se faire. Hein. Quand même, malgré que les upgrades soient toutes présentes, ça met quand même un certain temps à se faire. Hein. Mais bon, là, avec trois assembleurs, pour le coup, ça va quand même aller relativement vite. Deux réacteurs au deutérium, comme ça, t'as de la place pour y mettre les nanites. Mais c'est vrai! C'est vrai, c'est une excellente idée, ça! J'y avais pas du tout pensé. Je n'y avais absolument pas pensé, mais oui, c'est vrai que je peux y mettre les nanites, là, j'ai la place. Hop. Ouais. Bah oui, carrément, en fait. C'est vrai que j'y ai totalement pas pensé, mais bien sûr. Tac. Les nanites. Alors, par contre, pour les nanites, il faut que je fasse gaffe. Là, déjà, je peux pas les mettre. Pourquoi? Parce que les nanites sont beaucoup trop hautes. Évidemment, sinon, c'est pas drôle. Est-ce que pour les nanites, je creuse? Alors, si pour les nanites, je creuse, hop, je vire ça là. Parce que. Tac, 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 les nanites, c'est du 3 sur 3 aussi. Ok, ici c'est bien. Et ici c'est bien, parfait. Ici je pourrais mettre des blocs. Ouais, les nanites on va les mettre là parce que là pour le coup il y a plein de convoyeurs, c'est parfait. Totalement ce que je veux.
Allez, hop, hop, les naïtes, on se dépêche. On va y mettre des blocs de blindage lourd ici, hein, tant qu'à faire, si jamais on se fait attaquer par le dessous, j'aimerais que mes naïtes soient un minimum protégées. Bon, deux blocs, hein, c'est pas la mort, mais quand même. Toc et toc, avec les nanites qui, pour le coup, passent très bien. Bien entendu, il faut que je laisse un espace, forcément, parce que bah il y a les upgrades à mettre. Hein. Donc, tac, 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 c'est pour ça qu'il faut que je fasse. Voilà, donc ça c'est pour les upgrades. Maintenant il va me falloir une espèce de pente pour que je puisse descendre quand même. Hop. Voire même un escalier. Un escalier ça pourrait être sympa, j'en mets jamais des escaliers. Si un esclavagiste allait hop hop les nets, on se dépêche. Ah bah écoute, c'est normal hein. Et dépasserait au-dessus des upgrades. L'idée est excellente. L'idée est excellente et je pense le faire. Tac tac tac, parce qu'en plus la linéite. Ouais. Ah, oui, si, si, ça va pouvoir le faire. Ah, oui, alors par contre, alors attendez, on va essayer de faire ça. Hop, voilà. Donc là, pour le coup, des escaliers. Excusez-moi, faut bien que je tombe un peu, sinon c'est pas drôle. Hop, un escalier ici, ce qui ne m'empêche pas de mettre une upgrade là. Hop, ici on va creuser encore un peu. Voilà, j'aurais pas besoin de creuser tout ça, mais je l'admets. Un reverse! LOL! Tout ce que j'ai à dire. Hop, on va. Tac, tac, tac. Par contre, si ton vaisseau a des fuites, c'est pas des nanites, mais des mammites. Oh oh! Oh oh! Oh, c'était pas drôle. Je te jure. C'était absolument pas drôle, je tiens à le dire. Un peu quand même, mais je, bon. Mon éthique m'interdit de dire que c'était drôle. Hop. Ici et ici. Il va être bien ce vaisseau. Ce vaisseau, je le sens. Je le smell. Je le smell absolument bien. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, donc, de nouveaux blocs. Quand même, faut pas déconner. Hop. Ah. Excusez-moi, on m'attaque, visiblement. Bon, mes armes le déglinguent, mais je le déglingue bien même d'ailleurs. C'est bon, ce n'est plus une menace. Ce fut rapide. Hop, donc. Voilà, c'est bon, on entend enfin le bruit des armes. Je me disais aussi, tain, les armes elles font rien, c'est bizarre, mais si, si, tout va bien. Tac, ce qui fait que là, pour le coup. Je peux me remettre des blocs ici, je pourrais faire le même de l'autre côté. Merde, je mets tout en blindage lourd, moi je suis vraiment un débile. Oh la vache, ça fait quand même du bordel. Ça, c'est du blindage lourd. Évidemment, c'est pas du tout ce que je voulais du blindage léger, moi pour ça. Parfait. Voilà. Comme ça, ici, on va pouvoir enlever ça. Et donc y mettre les blocs nécessaires. Oh, oh, il y a une plaque. Oh, oh c'est con ça. Il y a des plaques. Oh mon Dieu, les nanites font pas leur boulot. Ouais, c'est moche. Voilà, comme ça, là, ici, en fait, ici, je peux mettre toutes les upgrades nécessaires. Mais néanmoins, je pourrais quand même passer ici. Pour éventuellement venir voir les nanites, comment elles vont. Ils servent à rien en fait si tu poses des passerelles. Mais en fait, j'ai l'intention de poser des passerelles juste là. Pas sur le reste du vaisseau. Les passerelles ont une vie trop faible. Si jamais on regarde, ces blocs-là, ils ont une vie de 2500, donc une intégrité de 2500. Et les passerelles, je crois que c'est 500 ou un truc du genre. Je veux quand même conserver un minimum de vie dans mon truc. Bah, je suis bête, j'ai pas besoin de ça. Hop, merde. Il y a quand même des passerelles ici. Voilà, vous voyez, les passerelles, c'est 840. Donc, pour le coup,
Pourquoi descendre? Tu peux pas garder le niveau. Tu peux pas garder le niveau et passer au-dessus des upgrades. Et si, bah en fait, si tu veux, pour ici là, je peux. Pour ici là, je peux. C'est pas un souci. Mais en fait, il faut que je descende pour pouvoir passer, pour pouvoir placer les upgrades. Parce que si jamais j'y mets des, si jamais j'y mets des, comment dire, des passerelles, les upgrades, je pourrais pas les placer, sinon je peux pas descendre. Ah oui, c'est vrai. Ah, les nanites sont pas centrés! Oh putain! J'avais pas vu! Ah non, je peux pas! Ta gueule! C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me sens coupable d'absolument rien. Mais oui, c'est vrai que les nanites étaient absolument pas centrées, je suis totalement d'accord. Tout ceci me désespère au plus haut point. Bon, par contre, les nanites, si vous pouviez vous manier à ramasser certains trucs, genre ça par exemple. Merci, ce serait quand même sympa. Hop, tiens. Donne-moi ça. Vire ça. Et Inventory donne-moi ça. full. Non, mais je t'en foutrais, moi. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Bref, par là, mon cul m'a téléphoné. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ascension? On en reparlera quand tu auras des problèmes avec certaines choses. J'ai des problèmes avec certaines choses, il faut pas croire, hein. C'est pas parce que je fais style que je vais bien, tout ça, que j'ai aucun problème. Non, 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 j'ai des problèmes. Simplement, j'en parle pas. Tac, donc. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça en fait que je disais. Si jamais. Bah tiens, on peut faire l'exemple si vous voulez. Par exemple. Ça vire. Et ça vire. Par exemple, c'est pour montrer, hein. Pour montrer, j'attends que les nanites récupèrent tout ça. Elles sont excessivement lentes aujourd'hui. Tac, si jamais j'y mets des passerelles. Voilà, disons des passerelles. Tiens, des passerelles comme ça. Ou d'autres types de passerelles, je sais pas, je vais voir. Hop. Après, peut-être que je me plante, hein. Peut-être que je pourrais y accéder, mais je suis pas certain de ça. Non, comme ça j'aime pas. Comme ça j'aime. Non, comme ça c'est bien. Hop. Là, je pourrais y mettre des passerelles là, c'est pas le souci. Mais en fait, les nanites, si jamais on regarde. Hop. Alors, pour le coup, par contre, j'aimerais bien qu'elles soient un minimum centrées, du coup. Voilà, parfait. Tu vois, pour le coup, si jamais ça, je le mets là, les upgrades, là, je peux pas les mettre. Je peux pas y accéder. Et pour le coup, ça me pose un problème. C'est pour ça, en fait, que là, je peux descendre. Ici, je peux mettre les upgrades ici et les upgrades là. C'est pour ça, tout bête. Hop. Voilà. Hop. Donc, disais-je, un escalier là, un escalier là. Mais par contre ici, oui. Par contre ici, je suis totalement d'accord. Des passerelles peuvent totalement s'imposer. Absolument. Tac. Non, juste. Pour le coup, je suis obligé de les mettre à l'envers. Mais c'est pas grave, ça marche aussi. Hop. Voilà. Pas mal comme ça. Il suffit de déposer les passerelles. Comment ça, il suffit de déposer les passerelles? De qu'est-ce que tu me... Ah merde! Merde, excusez-moi, j'ai fait de la merde là-dessus. Hop. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Et ton tout, l'aîné et ton tout. Hop, l'enfiler un coup de main, ce sera plus rapide. Tu pouvais aussi placer ces mêmes blocs au-dessus pour ne plus avoir les jointures. Ces mêmes blocs au-dessus. Ou enfin ça après c'est pas bien dramatique. Hein, moi vous savez, hein, je laisse ça comme ça, mais ça me dérange pas plus que ça en fait. Hein. Il suffit de déposer les passerelles pour accéder aux upgrades. De déposer les passerelles? Caneton, je ne comprends absolument pas ce que tu me dis. Comment ça déposer les passerelles? Je vais dire. Parce que toi, tu aurais voulu que les upgrades, que les passerelles, je les mette là.
Ah ben non, attendez. Je suis idiot, mais en fait, je peux même pas mettre les passerelles ici, parce que si je mets les passerelles là, je peux pas mettre les upgrades. Oui, il suffit de grinder les passerelles, mais grinder les passerelles à chaque fois, c'est chiant. Grinder les passerelles à chaque modif, non, en fait, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Tac, tac, tac. Alors attendez, parce que du coup, je viens de me rendre compte d'un truc. Il faut absolument que je mette les passerelles en hauteur, moi. Genre là. Parce que sinon, en dessous, je pourrais pas mettre les upgrades. Après, je peux très bien tricher. Hop. Allez. Mets-moi la bonne. Merci. Je peux très bien tricher, hop, en mettant ça comme ça. Et donc là, pour le coup, ici, ça tiendra. Voilà. Ce qui fait que là, je pourrais mettre les upgrades en dessous sans difficulté. Ce qui fait que là, pour le coup, j'ai fait de la merde. Hop, parfait. Tac, tac, tac. J'aurais mis les nets au plafond. Ça aurait eu aucune incidence sur le passage. Non, 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 ça aurait aucune incidence sur le passage. Mais pourquoi les mettre au plafond quand elles peuvent être au sol? Surtout qu'en plus, au sol, elles sont connectées au connecteur. Donc, critique drone. Well, ouais. Open some talentless. Meatbag, oui, si tu le dis. Meatbag. Sac à viande. Ah, t'es comme ça, toi. D'accord. Vas-y, vas-y, critique-moi le drone. Critique-moi, c'est bien. J'aime quand on me critique. Tes upgrades, oui, mais upgrades auraient été au plafond, mais les nanites n'auraient pas été connectées au système de convoyeur. Au plafond, il n'y a pas de système de convoyeur. Pour ça que je mets les nanites au sol aussi. Eh oui, forcément. Tac, tac, tac. Donc, du coup, disais-je. Voilà, comme ça, là, du coup, je peux accéder au panneau. Donc ça c'est good, juste un petit truc qui me chagrine. Je vais être sincère. Et je suis sûr que j'ai les blocs pour. Tac. Peut-être pas dans ce registre-là, mais je. Non, c'est pas dans ce registre-là. Ça doit être là-dedans, je pense. Je pense que je devrais pouvoir trouver mon bonheur ici. Voilà. Bah, c'est con, mais oui, absolument. Hop. Comme quoi, hein, ça se fait pas du jour au lendemain de modifier un vaisseau. Non, faut vraiment le vouloir. Hein. Hop. Voilà, donc là, du coup, c'est bon. Alors. Surtout qui m'emmerde, c'est que la passerelle est un petit peu dans le vide, mais bon. Après, pas besoin de ça en vérité. Pas besoin de ça vu que celle-ci tient ensemble. Je suis bête des fois. Non, vraiment, je vous jure. Tac. Voilà, parfait. Ah! Saloperie. Ramassez-moi ça tout de suite. Ramassez-moi ça tout de suite, s'il vous plaît. Nanite de mes deux. Tout ce que j'ai. Parfait. Tac. Oui, certains diront que je suis cruel avec les nanites. Rappelez-vous que c'est juste des machines. Je suis aussi cruel avec mon PC des fois. Ah ouais, mais là ça fait moche du coup. Un fief. Un fief. Ah ouais, ça fait moche. Ça fait moche parce que là, pour le coup, c'est dans le vide. Ça me... Tout ceci me circonspecte, vous savez quoi? Je vais me résoudre à faire ça comme ça. Et sinon, ouais, ça fait moche, ça reste dans le vide. C'est excessivement dégueulasse. Je tiens à le dire. Voilà, comme ça on est bon. Donc ce bloc-là, il est mis, c'est parfait. Ce bloc-là, il est mis, c'est parfait. Ce bloc-là n'est pas mis. Ce souci est inacceptable, inadmissible, que dis-je. Voilà, merci. Hop. En plus de ça, en plus, je peux aller en dessous. Ça, c'est bien. Il boot maintenant. Mais non, je boot pas, je boot pas. tac, de toute façon, t'as oublié un truc. Attention, on te l'a dit tout à l'heure. Ah bon? J'ai zappé un truc, moi? Et qu'ai-je zappé au juste? On me dit sur le chat que j'ai zappé un truc, mais je sais pas quoi.
Donc je... Ok. Après, je peux pas lire tous les messages, hein. Je peux pas lire tous les messages. Fais voir qu'est-ce qu'il a dit, Ascension, juste pour info. Et mettre tes upgrades et après mettre des passerelles, non? Bah oui, techniquement oui, l'idée est pas idiote. Mais ça veut dire qu'à chaque fois je suis obligé de virer les passerelles pour changer les upgrades. Ça me fait chier. Dire, autant faire un truc où je peux changer les upgrades direct comment dire, au lieu de mettre des passerelles à chaque fois de devoir enlever les passerelles. Tant qu'à faire, bah je sais pas, je vois pratique, hein, pour aller en dessous. Ok, mais quand les upgrades seront placés. Ah! Ah, je... Alors, c'est pas faux. Alors, dans l'idée, vous avez pas tort. C'est vrai que j'y avais pas pensé à ça. Message qui dit que t'es oublié. Bon, allez, j'y vais. Ok, à plus d'ascension. Alors, vous avez pas tort là-dessus. Cela dit, dans cette salle, j'y viendrai jamais. Ou très peu, en tout cas. J'y viendrai peut-être pour éventuellement régler les nanites ou truc du genre, mais bon, ça je peux le faire d'ici. Dans cette salle, j'irai jamais là. Là, j'ai vraiment fait un escalier, histoire de dire, mais en vérité, je viendrai jamais là. Donc si jamais je dois changer les upgrades, hop, un petit coup de jetpack et c'est réglé. Ça marche aussi. Ou je mettrai peut-être des passerelles, oui, je sais pas. Mais... ça m'ennuie de comment dire de devoir enlever les passerelles à chaque fois en fait. Ça me... Et donc ça me fait un tantinet chier, je vais être sincère. Excusez-moi, je réfléchis à la chose. Alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Alors, donc, après m'être défoulé quelque peu, tac tac tac, ouais, vous avez pas tort sur les passerelles. Après, bon, faudrait les enlever, certes, mais je, faudrait... ouais, c'est vrai qu'il faudrait les enlever, mais c'est vrai que après, vous avez pas tort sur les passerelles, je pourrais potentiellement les enlever, c'est pas faux. Ouais, vous savez quoi? Vous avez pas totalement tort dans l'idée. Hop. Je me résigne à faire ce que vous m'avez dit. Hop. J'avais pensé que c'était une bonne idée, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce que je ferais quand les upgrades seraient installés en fait. Et quand bien même je viendrai jamais dans cette salle, c'est vrai que bon, c'est mieux si jamais je peux y accéder. Hop. Tac 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 tac. Donc bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des passerelles, ça va faire joli. Et en plus de ça, je. En plus de ça, oui. Oui, absolument, vous avez raison pour les passerelles. Tac, hop. Ah, là je peux pas. Là je peux. Possible de construire un bloc pour. Non, oui, peut-être. Ah, merci. Tac. Voilà. Oui, vas-y, critique le drone, critique. Après tout, tu critiques, mais je te vois pas faire grand-chose. Donc, ta gueule. Ce drone qui ne me respecte absolument pas, ce sont les choses qui arrivent. Tac, 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 tac. C'était ici? Oui, je crois que c'était là. Du coup, là, on va pouvoir mettre quelques petites. Voilà, juste avec les. Parce que là, pour le coup, le mur tiendra. Donc, ça, oui, ça va. Après, ça, c'est pas chiant. Pas trop, trop chiant, en tout cas. Si jamais je pouvais faire des passerelles qui seraient tactées, ce serait bien. Mais ça, malheureusement, je peux pas les faire. Et bah, ouais, c'est vrai que comme ça, c'est mieux. C'est vrai que comme ça, c'est mieux. Je vous l'accorde. On voit en dessous. C'est plutôt sympathique, en vrai. Et si jamais je dois mettre des upgrades, et bah écoutez, je mettrai les 10 upgrades, et puis c'est tout, hein. Tu as pas oublié de comment les alimenter par hasard? Absolument pas, Ascension. Absolument pas, regarde. Il y a un convoyeur juste ici. Le convoyeur va se connecter quand il sera construit. Parce que là, pour le moment, le convoyeur, on le voit pas. Mais c'est comme le convoyeur de ma base. C'est comme le générateur de deutérium de ma base, regarde.
Je vais te montrer. Hop. Générateur. En fait, si tu veux, le convoyeur, au début, on le voit pas, mais en fait, quand il est construit, le convoyeur est là. Enfin, le convoyeur, le point d'accès par en dessous et par au-dessus est présent. Je vais voir, je vais te montrer. Tu vois? Regarde. En fait, quand il est construit, il y a une excroissance qui vient juste se connecter au convoyeur qu'il y a au milieu. Donc, pour le coup, ça fait très bien. Pour le coup, ça fait très bien. Et c'est idem pour en haut. C'est idem pour en haut, comme tu vois, là, pour le coup, c'est plus facile de vous le voir par là. En fait, de base, comment dire, c'est une carcasse, tout ce qu'il y a de plus basique. Et au fur et à mesure, on verra que le convoyeur est là, et donc le convoyeur d'en bas fera le reste. Donc, pour le coup, ça se fait. Hop, et bah écoutez, très chers amis, j'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu. Hein, si jamais vous avez éventuellement des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas, je suis ouvert à tout. Hein, comme je l'ai dit en live, parce qu'en fait j'ai coupé le live pour une raison. Comme je l'ai dit en live, j'ai énormément de commentaires à voir et à lire parce que j'ai le chat en direct. Hein, et donc forcément, je ne peux pas tout voir. Mais après, c'est pas parce que je ne vois pas tout que je ne tiens pas en compte de ce que vous dites si jamais vous me le répétez. Hein, c'est pas un souci. Simplement, bon, il faut pas me le répéter trop de fois parce qu'à un moment ça commence à m'énerver, vous pensez bien. Mais oui, c'est pas parce que je ne réponds pas aux commentaires sur le chat que je ne les ai pas forcément vus. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, mais au moins, non, c'est vrai que vous avez raison pour les upgrades, c'est mieux comme ça. En vrai, c'est mieux comme ça, j'aurai juste à enlever les passerelles, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et en plus de ça, je peux tout prendre dans mon inventaire en plus d'une upgrade, je pense. On verra ça. Est-ce que tu mets dedans, tu vois ce qui va dans tes générateurs? Oui, je peux voir. De toute façon, les générateurs ne peuvent accepter qu'une seule chose. Ils ne peuvent accepter qu'une seule chose, c'est le deutérium. Ils peuvent rien accepter d'autre que ça. Donc pour le coup, ça se fera très bien. À chaque coin, il ouvrira pour les mettre. Oui, c'est ça. À chaque coin, en fait, là j'ouvrirai, et puis je refermerai. Hein, ou pire, l'enquête, de toute façon, les nanites, elles servent aussi de stockage. Hein. Donc pour ma part, oui, c'est vrai, ça changera pas grand-chose au final. Les nanites, je mettrai tout dedans, je les replacerai, et puis elles les reconstruiront, et puis ça sera réglé. C'est tout. Ce que tu mets dedans, tu vois ce qui va dans tes générateurs? Bien sûr, je peux le voir. Je peux le voir via une interface, par exemple, via cette interface-là. Si là, je recherche le deuterium. Hop, tu vois, là, ici. Je suis bête. Si jamais là, je recherche le deuterium, hop. Tu vois, là, pour le coup, je peux voir ce qu'il y a. Comme là, je peux voir ce qu'il y a, par exemple, dans ma base. Tu vois, là, il y a 4,48 tonnes de... Enfin, il y a 4480 unités de deutérium. Ou est-ce qu'en vérité, il y a 9 tonnes, mais bon, vous voyez le principe. Donc, voilà. Donc, très chers amis, j'espère que j'espère que cet épisode sur Space Engineer vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien, et à la prochaine.